De retour suite à la pause, le combat a été arrêté. Triple H est sur le ring avec des catcheurs de NXT en ringside. Triple H dit qu'il a toujours bien aimé Boston, mais Killer Kowalski qui l'a battu est plein de moments magiques. Le bon d'Owens était bon ce soir. Il est ici pour faire de la magie encore une fois ce soir. Owens est différent de Seth Rollins. Il respire d'une autre façon. Owens est la personne à NXT qui a trahi son meilleur ami afin de devenir champion et se présenter à Raw avec le titre et confronter John Cena. Cena a ensuite quitté en ambulance alors qu'Owens a posé sur le corps de Cena avec le titre. Owens a mis NXT sur la carte. Ensuite, Owens a été pris sans savoir été demandé. Owens a été sélectionné par des gens qui ne le voulaient pas réellement car il était trop talentueux et trop intelligent. Kurt Angle et Shane McMahon l'a viré en lui disant que sa place n'est pas ici. Triple H dit qu'il sait où Owens doit être. Il le voit dans les yeux d'Owens. Il voit qui il est. Il voit un gars qui est aussi bon dont il le dit. Il voit un gars qui ne peut pas respecter le modèle et il aime ça. Triple H dit que ce n'est pas un ultimatum ce soir. Les catcheurs de NXT sont simplement ici pour s'assurer qu'ils puissent discuter. C'est ironique de dire que ces catcheurs sont venus ici simplement pour discuter alors que les partenaires d'Owens restent en coulisses. Pourquoi? Car les autres ne se préoccupent pas d'Owens. Les catcheurs de Raw arrivent pour attaquer les catcheurs de NXT sur la scène. Mais Undisputed Era arrive de la foule et attaque Owens dans le dos. Le OC arrive et les catcheurs de NXT prennent la fuite dans la foule. De retour en coulisses, Charlie annonce en Breaking News que AJ Styles va défendre son titre des États-Unis contre Humberto Carrillo lundi prochain. Carlo dit qu'il est très heureux d'avoir cette chance. En coulisses, Paul Heyman se présente et dit qu'on lui a demandé de raconter l'histoire de Survivor Series. Tout a commencé avec Brock Lesnar a fait de Rey Mysterio et son fils des victimes à Raw. Un peu plus tard, Brock Lesnar a remporté le championnat de la WWE, mais Rey Mysterio a ramené le fantôme de Lesnar. Ce geste a frustré Lesnar au point d'avoir un combat à Crown Jewel contre Ken Velasquez avec une victoire de Lesnar. Ce qui a mené Rey à attaquer Lesnar avec une tige de métal. Heyman dit que Lesnar se porte bien suite à cette attaque et sera à 100% ce dimanche. Heyman dit que le combat sera encore plus important dimanche avec un Norroads Barred. Aucune disqualification. Dimanche, nous allons voir un miracle de Rey. Battre Lesnar et venger sa famille ou bien nous allons voir Lesnar donner un clé à Rey. Si puissante qu'il faudra supprimer les images des vidéos de la WWE qui seront une séance de torture publique. Voici son spoiler dimanche. Nous allons découvrir si ce sera un miracle ou un massacre. Charlotte avec Rey Mysterio en coulisses pour ses commentaires. Rey dit que tout d'abord, il est heureux pour le succès de Humberto Carrillo. Il doit continuer de faire ce qu'il fait et rendre heureux les Latinos. Rey dit que Brock Lesnar fait l'erreur de sa vie en attaquant son fils et en plus de changer le combat en Norroads Barred. Il accepte. Il a déjà montré à Lesnar ce qu'il peut faire avec son ami. La tige de métal sera avec lui dimanche. La question est de savoir si la stipulation est un avantage pour lui ou Lesnar. Lesnar doit se demander ce qu'il ferait si quelqu'un attaquerait son enfant en premier. Rey dit qu'il va le faire payer comme Lesnar n'est pas du style à s'excuser. Il va lui prendre son championnat de la WWE. Après, nous passons au match entre Natalia et Asuka, la championne par équipe. En fin de match, Natalia ramène Asuka sur le ring. Mais elle est distraite au passage par Kairi Sane. Asuka en profite pour lui porter un coup de pied et la couvre pour la victoire. Vainqueur, Asuka. De retour, les superstars arrivent sur le ring et on découvre que partenaire Mr. Norton sera Ricochet. Donc, pour les titres par équipe d'Euro, on aura les Viking Riders, Sandy Orton et Ricochet. Enfin, je sais pas si c'est pour le titre, je crois pas.